Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes bien reposés et surtout que vous vous êtes bien amusés. Nous voici ensemble pour notre première histoire de cette nouvelle année. Peut-être avez-vous déjà mangé la galette? Oui? Elle était bonne? Moi je suis très gourmande et j'aime bien la galette. Comme les personnages de ce conte qui vont aussi manger la galette. Mais vous allez voir, quelle galette! Allez chercher votre doudou et asseyez-vous confortablement. On va commencer. Je vous attends. Vous êtes revenu? Alors, écoutons l'histoire de J'aime la galette de Oriane Lallemand. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est croquante, pleine de petites dents. On aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est salée, avec du fromage dedans. Oh oh. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien tendre, fourrée aux petits enfants. On aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est brillante, remplie de 1000 diamants. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est moisie avec des vers dedans. Orc. On aime la galette, savez-vous comment? Quand elle a du miel et des bonbons fondants. Miam. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Voilà le nom. Moi, j'aime pas la galette. Et un petit chaperon rouge, c'est bien plus croustillant. Tiens, prends ça et ça. Aïe, ouille. Finalement, la galette, c'est excellent. À table, tous les gourmands. Voilà l'histoire de J'aime la galette. Vous avez reconnu les personnages de ces contes? Il y avait la petite souris, le corbeau et le renard, l'ogre du petit poucé, Blanche-Neige, la sorcière, Boucle d'or et le petit chaperon rouge. Et vous? Vous avez préféré quelle galette? Celle de la sorcière? Non, beurre. Elle était moisie et avec des vers dedans. Moi, j'ai préféré celle avec du beurre.
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.